Yo les geeks, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien. Pour ma part, ça va toujours nickel. Voilà, on se retrouve encore pour une ouverture Zenith Suprême, je vous l'avais dit, les Mini Teens. J'avais déjà ouverte, je crois, la Trévis, dans ma vidéo où j'ouvre tout le bloc, puis épée ou et... Ah, j'arrive jamais. Épée et bouclier. C'est trop dur à dire, épée et bouclier. Et oui, voilà. Et sinon, j'avais ouvert sur un short, la Mini Teen de Rosemary. Donc il me reste les trois dernières, voilà. La fameuse Racofeuctarac, Voltoutou et je sais plus comment elle s'appelle, j'aime bien. Et je sais plus, Moumouton. J'ai oublié les noms, évidemment. Je les mettrai peut-être ici, on verra. Donc on va s'ouvrir ça. Avec... Enfin, ils ont remis ces ouvertures-là. Le nombre de mini-tunes Pokémon Go que j'ai vu qui avait été piraté, ça fait mal au cœur. Hop, j'ouvre tout, je fais du bruit. Je sais que ça fait un bruit de malade. Voilà, comme ça, c'est réglé. Tac. Donc, il y a toujours la petite carte où on peut faire le puzzle et le même en autocollant. Donc ça, c'est sympa pour les enfants. Pour moi, un peu moins, mais je garde, je garde. De toute façon, j'adore ces Mini Teens. C'est vraiment un produit que j'apprécie énormément. Hop, est-ce que je vais avoir son nom peut-être? Non, j'ai toujours Voltoutou, mais j'ai pas le nom de la dresseuse. Ça me reviendra, peut-être. Plus on la voit dans la série, hein, mais je m'en souviens plus. Le Tarak, c'est un nom qu'on n'oublie pas. Avec le Tarak. Voilà, allez, on va passer en mode zoom. Et on va s'ouvrir ces 6 boosters. Et voilà le mode zoom enclenché. On commence avec la Mini Teens. Je sais toujours pas son nom. Avec mon mouton. Honte à moi. Bah non, connaître les dresseurs, franchement, je suis fan, mais pas à ce point-là. Donc les cartes dresseurs, ça n'a jamais été trop mon truc. Ah bon. Il en faut pour tous les goûts. Allez. En espérant avoir. La Mewtwo V-Star, ou la Deoxys V-Star, ou la Filali, Givrali. Puis il y en a encore d'autres. Bah, les Gold aussi, hein, mais pour les avoir, j'ai l'impression qu'il faut avoir les ETB. Hein. Wow! C'est toujours la première carte de l'ouverture où il y a du lourd. Bon, c'est pas les Amazonta. Ouh! Ce n'est pas les Amazonta. GG53, très sombre en bas. Oh! Magnifique! La Houpavée alternative. Très sympa. Hein, je la voyais pas comme ça. Ça me fait penser un peu à Picsou, du coup, dans toutes ses pièces. Super. Et si les Aiox sont rares, on s'en fout, du coup, hein, évidemment. Désolé pour lui. Vraiment sympa. Bon, bah, l'ouverture commence très bien. J'ai l'impression que les ouvertures commencent toujours très bien sur Zenith Suprême. Je dirais même pas qu'elles terminent mal. Elles sont toujours très bien, les ouvertures. C'est impressionnant. Je n'en reviens toujours pas. Ça va être très dur, en fait, finalement, pour ceux qui font le Master Set avec toutes les reverse. Si on a tellement souvent des GG, ça va être compliqué. Heureusement qu'il n'y en a que 100, enfin, à peu près 140, 100, parce qu'il y a 159 cartes. Ouais, ça va être dur, je pense. Bon, après, c'est pas ce qui va coûter très cher non plus. Mais c'est rigolo. Et tant mieux d'ailleurs. Talgamin, Pironi. Il est dans un four à pizza, Pironi, en fait. Ah ouais. Bon, en tout cas, dans une cheminée. Watapic en reverse. Et Cisaiox en rare. Bon, très bien, la Mini Teen, ça. On passe à celle. Ah, ça se termine pas en A, son nom. Bon, en tout cas, c'est Voltoutou. J'aurais dû regarder entre-temps, hein, quand j'ai fait la pause pour mettre le mode zoom. Dommage, dommage. J'ai direct enchaîné comme d'hab. Allez, énergie, combat. Les chaussures, Luxio. L'aspi, Kenotor, Tritox. Chakripant, Larvibulle, Venalgue, celle-là il me la faut en reverse par contre. Oh!
Toujours le premier booster des Mini Teens. Alors, pas la Zamazenta. Pas la Zamazenta. C'est du rouge, mais c'est pas Zamazenta. GG 41. Ah, pas la Raikou non plus. Oh, si, c'est la Raikou! Mais non! Comment c'est possible d'avoir toujours des doubles comme ça? Ah, elle est super aussi, hein. Elle, c'est vraiment l'effet Full Art qui est très intéressant. Bon, c'est quand même une magnifique carte. Et boule de nœud en rare. Tellement dommage d'avoir des doubles. Bon, bah ça fera un échange. Allez, on va continuer avec le deuxième booster de cette Mini Teens. Bon, les Mini Teens, si en deux boosters à chaque fois on a une grosse GG, ça vaut le coup, hein. Pour l'instant, c'est ça. Énergie plante. Teraclope. Métang. Faudrait que je regarde ce qu'il y a comme carte. Pas possible d'avoir toujours les mêmes, quoi. Emolga. En reverse. Wailmer. Et Pyrax en rare. On passe à la Mini Teens. Dracaufeu. Avec Tarak. Ah, c'est bon, je connais le nom du dresseur. Est-ce qu'on va avoir sur le premier booster encore une grosse GG? Ça serait cool, ça serait dingue. Hyperball, Malamandre, Teraclope, Pulbito. On y arrive, on y arrive. Ah non, Moumouton en reverse et Loup-Garrokh en rare. Alors, on peut pas gagner à tous les coups. Le dernier booster de cette Mini Teens et de l'ouverture. Ah, il faudrait que j'ai quelque chose quand même. Une Mini Teens vide, ça se fait pas non plus. Surtout une Dracaufeu. Mais les Mini Teens Dracaufeu, elles se font bien prendre aussi. Enfin, les premières qui partent. Hein. Bon, je veux bien comprendre. Allez, énergie métal. Vortante. Super bonbon. Galégon. Wailmer. Lixie. Pyronie. Misterbe. Otaria. Ah non, dommage. Recherche d'énergie. Et ah, il y a quand même une petite V. Ah, Mew. Ah, ça c'est cool. Mais très joli. Franchement, ils ont fait des efforts sur les V là. C'était vraiment moche au début, mais celle-là, elle est super belle. Bon, ça fait penser un peu à Mewtwo en fait dans cette ambiance urbaine. Très sympa. Ah ouais, je suis contente. Alors, le petit récap, ça va être rapide. Sur 6 boosters quand même, c'est génial. Hein. Franchement, déçu pour la Raikou parce que c'est un double, mais elle est splendide aussi. Très très belle. La Oupa est vraiment magnifique aussi. Ça rend rien en vidéo, mais en vrai, c'est quand même. Ça rend bien. Petit Picsou, en fait. Je sais pas pourquoi, là, ses mains comme ça me fait penser dans Aladdin aussi. Ouais, ses mains comme ça, ouais. Oh. Ouais, dans Aladdin, celui qui est dans son. Comment il s'appelle? Qui est dans la confrotte, là. Comment il s'appelle? Ah, j'ai du mal, hein. Vous allez rigoler, c'est bien. Dans sa lampe magique, là. La lampe magique. On frotte et il sort. Il exauce les vœux, et puis il peut en faire trois. Voilà. Je connais pas le nom, mais je vais incruster le petit dessin, vous allez voir. Je mettrai le nom aussi, ça va me prendre du temps, c'est pas grave. Et la Mew est très belle. Bien, bien sympa. Voilà. Sur ce, je vais arrêter de parler. S'il vous plaît, lâchez un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, dites-moi ce que vous avez eu, franchement, dans vos tirages, si vous avez autant de chance. Parce que franchement, c'est génial. Alors, je suis trop trop contente. J'ai encore envie d'en acheter. Heureusement que c'est mon anniversaire là, qui approche. Comme ça va me faire des cadeaux. C'est bien. Allez, à bientôt. Ciao!